On continue avec Sarah Proust pour nous parler du VVV. Oui, merci Monsieur le Maire. Effectivement, cette délibération concerne trois axes de manière générale pour Paris. La prévention de la récidive VVV pour le 18e arrondissement avec une première délibération de 12 000 euros pour les enfants de la Goutte d'Or. Et un troisième axe pour l'aide pour le soutien et l'aide aux victimes dérives sectaires. Et donc là, le sujet, c'est une subvention de 18 000 euros à l'ADFI, l'Association de défense des familles et de l'individu. C'est important de le signaler parce que cette délibération, qui n'est pas si fréquente que ça, soutient aujourd'hui des associations, et notamment l'ADFI qui, depuis 1982, fait de la prévention sur les dérives sectaires, accueille et aide des familles, fait de l'information au public, et c'est important de le signifier parce que nous sommes dans un moment où la Mivilude, qui était une organisation qui, depuis 2002, a beaucoup aidé en termes d'information et de soutien aux familles sur les dérives sectaires, a été depuis le 1er janvier, donc ça date d'il y a quelques jours, rattachée au ministère de l'Intérieur et notamment rattachée à tout le travail sur la déradicalisation. Et il y a une grande crainte de la part des acteurs des dérives sectaires d'un affaiblissement de ce travail sur les sectes et d'un affaiblissement aussi de ses moyens et de ses outils. Et donc, par cette délibération, la ville de Paris continue à soutenir de manière importante cette association. Un mot encore pour finir, puisque c'est le dernier conseil sur les questions de prévention, dire d'un mot, et puisque Daniel est là, dire qu'il me semble que les sujets de prévention, il faut consolider les dispositifs puissants qui existent, il faut pouvoir consolider les associations, les clubs de prévention qui ont pendant des années œuvré toutes ces dernières décennies au meilleur travail des préventions auprès des jeunes, mais c'est aussi des nouveaux dispositifs, ça a été le cas des médiateurs qui doivent beaucoup à Daniel sur ces dernières années, mais aussi des dispositifs innovants, et j'aimerais juste en citer un puisqu'il a été mis en place en décembre dernier. Nous y étions avec Cédric il y a quelques semaines, où nous avons emmené quelques enfants, quelques jeunes suivis par les préventions en prévention dans le 18e arrondissement, assister à des procès en comparution immédiate avec un avocat, avec un professeur de droit, ce qui a montré, parce que le tribunal est maintenant tout près du 18e arrondissement, que la justice, ça se rend par des femmes et par des hommes. La justice, c'est pas seulement un symbole très désincarné, très puissant, très lointain, mais c'est tous les jours des hommes et des femmes qui rendent la justice. Et c'était important de pouvoir associer aussi dans ce travail avec des structures jeunesse et des professionnels du droit, de montrer que la justice, on y rentre dans ce palais sans carte d'identité, sans payer, on assiste à ces procès, on est accompagné par des professionnels qui montrent ce que cela signifie. Donc c'est aussi un axe de la prévention qui est mené dans le 18e arrondissement avec les structures. Et comme nous sommes à la fin de la mandature, je voulais signifier ce nouveau dispositif qui, j'espère, pourra continuer dans les mois à venir. Je vous remercie. Merci beaucoup, Sarah. Pas de difficulté, j'imagine, non plus. Unanimité.